Bonjour, Frère Maxime, yo, comment nous y est? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi. Votre chef à la maison qui rentre la caille nous, moi dis nous grand merci parce que nous suivons moi. Moi dis nous merci parce que nous continuons à encourager. Et moi salue toute l'autre nation qui a encouragé moi aussi, qui a suivi moi. Moi vous... Ok, là aujourd'hui, je dis à la m'pral préparer un lambi pour nous, un lambi créole actualisé. Ok? Qu'on a pour me faire lambi, attendez. Moi te montre nous comment pour nettoyer l'ambi déjà. Si toutefois nous pas connait comment, à la fin vidéo ça, nous pour joindre yon l'ambi surprise et mais nous met garder n'a pas comment dire. Moi fait l'ambi en lanière, et puis qu'on a là moi mettre persil, thym, oignon. Rien d'autre qu'on a là moi mettre beaucoup d'eau. Parce que l'ambi ça moi senti dans petit genre très dur. Qu'on a fait l'ambi à cuite pour contenir. Ok? On a une fois que l'ambi est cuite, et puis qu'on y a à la fin, nous prenons tout ça m'a fait avec pour nous. Ok? En nous retard. Ok? Ça, c'est l'ambi à nous aller qu'on a l'allé à bouillir là. Il faut qu'on cuite, hein? Nous, on a j'aime mettre un peu de l'eau. Ok? Regardez ça m'a fait. Qu'on a l'ambi même de l'eau, ça, moi, je prends un peu. Qu'on a bouillon, ça me prend ça, c'est lui-même, il est en fumée. Qu'on a la moi-même, petit fumé, je prends. C'est un petit fumé, on nous parle de ça, moi le favel. Ok, je ne vais pas prendre pile. Ok? Qu'on a toujours quitté l'ambi à bouillir. Qu'on a un bon dit nous très important là. Ok? Qu'on a nous parle dit comme ça qui, moi mettez l'ambi à bouillir dans de l'eau, il n'y a pas de goût encore. C'est pas vrai. Il y a un goût parce que de l'eau a séché dans l'ambi à, donc l'ambi a toujours été comme Jean le théâtre. D'accord? Je vais quitter le continuer toujours. Ok? Maintenant, bien, ok? Après presque un inepte comme ça, la bouillie. Maintenant, bien, qu'on y a les cuites là, ok? Parce que nous, qu'on est l'ambi, son bagage qui prend pile le temps pour le cuit. Regarde ça. Ok? Il était qu'à prendre un petit bagage encore, mais c'est pas grave. Ok? C'est cuit. Ok? Qu'on y a là, on va commencer à faire l'ambi créole pour nous. Toutes sortes de l'ambi. Maintenant, bien, ok? Nous, on est là. Tout garder comme ça, là, la prochaine fois, n'importe les maps, faire toutes sortes de l'ambi, je vais faire pour nous. Je suis toujours venu avec là. Songez pour ces dieux-là, comment me défaire, ça a toujours été des mêmes. Il n'y a pas besoin de changer. On a même si je fais l'ambi créole numéro 1, numéro 2, numéro 3. Même, sauf si je fais l'en gratiné à ce moment-là, je vais l'autre procédure, je vais le faire pour nous. Ok? On a là, on va mettre une cuillère de beurre. Une fois que le beurre a fini chaud, je vais mettre un peu d'oignon. Saisis un peu d'oignon là-dedans. On va mettre un cuillère d'ail. Une fois que l'oignon a sué, avec l'ail là, qu'on a mis un peu l'ambi là-dedans. On va la mettre pour une personne. Ok? Je ne vais pas l'assaisonner. Je vais mettre poivre. Et je vais mettre une cuillère de sel. Ok? Pas dire l'ambi sali, mais moi je ne sais pas de sel. Si c'est bon l'ambi haïtien ou jeune, ou pas obligé de mettre sel. Même si vous mettez un pied de l'eau, le fait qu'elle était cuite, toute l'eau a été séchée là-dedans, ben, toute celle-là a été rentrée là-dedans encore, si c'était un ambi haïtien. Qu'on a là, c'est un ambi, puisque c'est un ambi caoutchouté lié un peu, la femme sorbe beurre, ok? Mais beurre a pris 30 dents, ok? C'est ça que nous avons besoin. Une fois que j'ai réalisé que ben moi bien rentré là-dedans, qu'on a mis une petite cuillère de l'huile d'olive. Ok. Qu'on y a là. Pardon. Puisque c'est un lambi typiquement haïtien qui m'a fait moi mouiller avec jus citron. Un quart de tasse de jus de citron. Tout ça là, a voué l'acidité à l'intérieur l'ambia. Qu'on a là, une fois qu'elle est réduite à moitié, qu'on a là, moi mettez pour piment bouc là-dedans. Ça veut dire ça nous les, non piment nous même là nous fait la canou nous mettez le bouillon à manger au complet. Moi même moi prends seulement pour moi mettez là-dedans, pas avec graines là pour pas piquer, mais
Ou même soit fait de la carotte, mettez-la avec graines sourdes et piment parce qu'ils ont lambi, il est très bon avec piment. Ok? Quand y a là, moi mettez une cuillère de paprika dans mon cas moi. Ça veut dire ou même la carotte, c'est toutefois mettez piment piqué, on pas obligé de mettre paprika. Ok? Quand y a moi même paprika ça non seulement mettez pour un petit goût de piment, mais aussi pour la coloration. Et tant que ça on sort la vine balle comme si c'était un pâte tomate. Ok? Waouh, qu'on y a là, JFL pour aller sur nous là, la pour retourner avec nous au début. Est-ce que nous songez, l'aime te mettre l'ambi à bouillir, moi te prends un petit de l'eau me te retirer à qu'on y a c'est lui-même, qu'on a là. Si toutefois j'ai besoin de sauce, je suis obligé de mettre de l'eau la manger, qu'on a un bras pour fumer, ça nous bouillon l'ambi à, c'est lui-même qui retourne là-dedans encore, qu'on est à moins mouillé avec un petit peu. Qui est équivalence de demi-tasse. Ok? Qu'on y a là. Ça là, c'est lui-même qui est réduit. Il va le réduire et puis nous allons voir qui ça s'appelle bien. Ok. Tout le monde qui compte faire manger là, ou qui est en voie ça, c'est une sauce excellente. Ok? Qu'on a nous a posé question. Pour qui ça fait de guetter en frit, oignons à l'avance? Non, zombie de frit avant. Nous diminuons le volume là qu'on y a, ok? C'était pour te porter du goût. Qu'on a là, moi pour le mettre les oignons qui pourra le censé présenter à cette là. Qu'on a là, mettez quelques petits oignons. Et puis qu'on a là, moi mettez persil haché. Et voilà, une femelle. Qu'on a fini une femelle, qu'on a gardé. Ça c'est lui même qui. Mettons là, moi pas bien me dire nous c'est pour une personne. Hein. Si toutefois il y a 80 personnes, mais on a un gros mouton, un gros chaud de l'ambi devant là. Ok? Étant donné que nous connaissons depuis que je fais présente recette haïtienne, il faut me faire une présentation. Qu'on a là, je vais présenter l'ambi à vous. Ok? Et voilà. Waouh! Oh, il faut me goûter pour moi, c'est bon. C'est chaud, hein? Il faut me faire attention, je vais bouler là. Ok. Qu'on a là mettre un petit bella, qu'on a ça mal fait là pour nous là, on va faire un petit yam, OK? Yam n'a qui en bouillie déjà comme nous toutes qu'on habitué bouillir yam la caille nous, OK? Mais qu'on a là moi-même, on va pour ton petit goût, on va pour ton petit bagage différent dans yam là. Rien d'autre rien de différent. Va venir simplement prendre. Moi t'ai qui en cuit déjà, moi couper moi faire un petit rondelle qu'on a mettre dans petit beurre, passer le beurre. Passer le beurre là. Ce n'est pas pour me passer le beurre. Je passe le beurre juste pour me chercher un petit goût. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand on a ou même soufflé, on doit mettre un petit épice ou remé. Ok? C'est comme si on pour ton petit goût là-dedans. Beurre à tout coup, quand il déjà goûté. Ok? On a même mettre un petit poivre. Et de l'autre côté. C'est tout. Quand on a là, on va le monter à cette là pour nous, on va le faire une présentation. Ok. Pour me faire présentation. Même prend yon ti morceau yon mwen depose la. Fini avec ma bia. Puis tout ti sauce là. Ou vide le sauce, ou vide la dan. Et voilà. Et voilà. Yon lambi créole haïtien. C'était JFL Cuisine Créole. Jean Fedor lundi, votre chef à la maison qui te rentre la caille nous pour préparer un petit lambi.